N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vais vous faire un peu de temps.
Gosha wote na kati wazalake do sala declaration na biso Jamais. Alors, pour se mobiliser,
somo ni mutera ba discours ya kutabola bato na moma ya zandoki biso nyonso tozali sima ya sardes tolobi na bango bakende liboso bango baza na front biso na mabondeli biso toza na balabala bakolonga monguna wana tosengi pe mokonzi ya mboka toyoki ke na arme na biso barwandais batondi bainfiltre baza ebele tosepeli ndango alongolaki 4 mais baza 4 te bale baza ata 1000 même 2000 oyo bazali kopesa information ya mabe po te banguna wana baya baboma peuple na biso tolobi boye na bandeko na biso baza na Beni baza na Rutshuru baza na ngambo wana ya est bakompe na parti Congo en avant tokozala toujours mobilise mpona kotelemela Kagame na bato na ye maintenant tokolala lisusu te oyo ezali ebandeli mais marche ekokontinue jusqu'à ce que badige makasi esalema nayoki na nzela bolobi na ngai ke tozodeklare guerre na Rwanda boyote boyote biso tolobi Kagame na arme na ye bakotelema na arme na biso te bakumbabe na biso ezali bato ya fcc bakotusa bato mabe na arme mais bakokweya tokorekupere mboka na biso ndenge esengeli 500 militaire oyo Kagame atue toyoki ke batindi 500 militaire baza na frontiere mais nos forces armées bakoteka bango te bakolonga bango nde tolobaka toujours Congo en avant Congo na motema maboko makasi mpona bino koko Bon, c'est bon. Une marche de soutien aux pharmaciens avec vos militants. Quel est le message que vous avez adressé et à vos militants et à nos forces armées qui sont en France? Vous savez, on a voulu premièrement adresser ces messages à la communauté nationale et internationale. Premièrement, la communauté nationale de nous mobiliser derrière nos forces armées. Vous avez pris que Kagame a immobilisé 500 militaires encore pour attaquer nos forces armées, tuer mes compatriotes. Ça fait longtemps qu'on tue nos compatriotes et maintenant qu'on ne pas pense de trop. Devons nous mobiliser derrière nos forces armées pour mettre ces ennemis état de lieu. Mais aussi dire à nos forces armées que vous êtes en front, bien content avec l'ensemble de notre peuple. C'est ça le message essentiel. Mais aussi avec la communauté internationale, la nébuleuse communauté internationale. Vous avez appris qu'on a même capturé des militaires rwandais. Il y a eu des contacts diplomatiques où nous avons vu que malgré des contacts diplomatiques, le Rwanda continue toujours à vouloir agresser notre pays. Et ce qui nous étonne, au Conseil de sécurité, nous n'avons vu aucun pays qui a condamné l'agression contre la République démocratique du Congo. Nous voulons que la communauté internationale, qu'on est déterminé à nos militaires, à les aider à faire des scènes, on est derrière. Et aussi à nos politiciens, avec la politique politicienne, autre toi que je m'y mette, même lorsque le pays est agressé, toujours des discours séparatistes. Vous avez vu aujourd'hui, il n'y a pas de drapeau de parti, ni des insignes. On a voulu montrer qu'il y a des moments dans la vie des nations où on peut mettre de côté nos positionnements personnels et regarder l'unité nationale. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous unit. Selon qu'on voit en avant, faut-il faire la guerre au Rwanda? Il faut dire tout. Je crois que si vous avez la diplomatie sans armée, c'est une diplomatie faible. À l'autre, nous pensons qu'il faut faire la guerre au Rwanda, mais il faut le préalable. Vous savez que nos amis du FCC ont infiltré cette armée. Kagame, sur le plan de renseignement, il a des renseignements juste après 5 minutes. Nous félicitons ce que M. Tshisekedi a fait. Commencez d'abord à révoquer les infiltrés rwandais. Parce que l'M23, c'est l'émanation du FCC. Avec l'M23, Remo Tshibanda est en vie. C'est lui qui a signé cet accord. Alors qu'il y a celle-là, on a parlé du M23. Lorsque nous allons nous organiser, nous pouvons faire la guerre au Rwanda. Message qui soit adressé à vous.
tolingi ko talisa far dessé ke bali ko munda bango mon côté pamba te omoni bandongolomis oyo mikololekaki toyokaki ke ba kangaki ba rwandais mibale mais tomoni makambu ya diplomatie oh boye à la fin batiki ba soda wana mais zongi sikaga misinga te tomoni na tikaga mako yo kavwa ya diplomatie te pe diplomatie za ya nyamunya pona nini pour tout le monde qui est soldat rwandais, mais le Conseil de sécurité de l'ONU a tant condamné Rwanda pour l'agression de Mboka Nabiso. Tolobi Kagame a reçu un voyage à Mundouki. C'est ce que Tolobi Iyo. Tolobi a reçu un Mundouki. Totalisa, le soldat Nabiso qui est aux abîmes de Mokote, Toza Nabino. Kasi aussi, coquet de sape, baye Oyo, Bali, ba infiltré. Oh, bato a Kabila, batika na armée. Yo, qui est la mingite, 4. Officier, il y a Minene, il y a Sango, il y a Mabinga na biso na Rwanda. Donc tu sais que tu as Bingani Bango, communiqué Baleki et Bélé. Il est grand temps de continuer na Kosala Yango. Quand il y a des politiciens, Omoni mingi mingi toki mbo keza agresse et singili kotia politique ya konuka positionnement personnel pembeni de lobi na bango bazana ensemble pour ceux qui le lobi tomba ekoti mboka ya opposition za nakate mboka majorité za nakate za na mboka mboko komo na Congo tamboli pona kotele sa mapinga na biso ke tozali ensemble pona kolonga etumbe po yebi ke mokolo ba déclare la guerre. Lorsqu'on veut déclarer la guerre, c'est le président de la Congrès. Congrès Moutouayaka, Koloba Ketope, si on dit que c'est mon conseil en Boka, la Kissa de Nouveau. Il y a le message à l'académie. Que toi, Kobanga Kayo, à autant de ça, que bientôt Congrès Kokota, pour que toi déclarer guerre à Rwanda. Kasi, toi, Kanga Kanga, nous sommes en Rwanda, nous sommes en armée, toi, tu es en Rwanda, bah il manque pas son commandement pour toute la guerre na Rwanda. Oui, c'est citoyen Mbosoke. Atia, intérêt à Mboka. Eza la kakayete, eza la président ya Sénat. Bango nyon soumibale. Pour mon inde mikolo, yede kakiawa, atindi ba député, balanda Mboso. Toi, on a besoin de l'eau pour un mikolo. Alors, on a besoin d'unité institutionnelle, unité ya peuple, pour être tout long à Bitumba. Et puis, si mon conseil Mboka yete, atia, ma kasi na ma pinga, ba congolais na Congo en avant, basa. Merci. Camarades,